Merci à vous, la belle population du Congo. Et c'est avec beaucoup de fierté que j'ai pu recevoir les titres d'ambassadeur de notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Premier titre, le titre d'ambassadeur pour le rayonnement de la jeunesse au point de vue sport, santé et de la culture. Car comme vous le savez bien, il y a beaucoup d'enfants et de jeunes gens, grâce à ça, qui pourront faire aider la croissance de ce grand pays qui est au fond la taille of West Europe, ce qui est énorme. Deux, le titre d'ambassadeur de la faune pour aider l'écologie du pays, un rêve d'enfance, aider les animaux et la nature, car le Congo est un des deux poumons de la terre entière, cette planète. Le Congo est en vérité le plus beau panier de génétique au monde. Le plus beau panier de génétique au monde de cette terre qu'il faut vraiment préserver. On dépense tellement des moyens pour aller sur d'autres planètes, alors que d'abord, il faudrait fixer cette terre, ce qui est très important. Il est temps qu'on se révolte, pas physiquement, mais mentalement, pour sauver cette terre. Car pour l'instant, dans le monde entier, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas bien. Point de vue de la race humaine, point de vue de la race animale et point de vue de la faune. Le titre numéro 3 est le titre d'ambassadeur d'investissement pour le Congo de trois pays qui vont nous aider. De l'Amérique du Nord, de toute l'Asie et aussi des pays du Moyen-Orient qui vont aider à développer notamment l'agriculture de l'intérieur du pays pour pouvoir nourrir notre pays et de moins dépendre de l'importation d'autres pays pour que le Congo soit beaucoup plus autonome de sa personne. Ce qui peut remonter l'économie du pays car notre terre est très très fertile. Donc, le titre d'investisseur est très important pour moi et d'autres pays, je le répète encore, l'Amérique du Nord, l'Asie et le Moyen-Orient vont nous aider dans toutes sortes de secteurs pour la stabilisation de ce beau et grand pays, de cette grande nation. Encore une fois, je remercie notre président, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, de cette mission, qui ne sera pas facile, mais possible grâce à l'aide de Dieu. Amen. Amen. Sans oublier aussi la construction de Fatshi City, ce sera en état pour que le peuple congolais soit fier des avances techniques, des avances de construction et pour donner beaucoup de travail aux gens d'ici.
Dernièrement, ce qui est très très important, je choisirai personnellement un cabinet qui est digne de cette mission. Un cabinet dont l'intérêt sera uniquement d'aider ce pays, qui sera évidemment accordé par notre président, qui se bat tous les jours pour votre pays, le Congo. Pour notre pays congolais. C'est bien trouvé. Merci, madame. Je vous remercie encore de votre patience. Je n'ai aucun manager qui me représente. Quand j'aurai mon cabinet, on prendra des décisions ensemble, car j'ai besoin de Congolais dans mon équipe qui comprennent la mentalité et les problèmes de ce pays. Il ne faut pas oublier, vu que je suis natif de Likasi dans la province du Katanga, pour moi est un motif de fierté pour mon devoir, pour vous, pour moi et pour le président.